sorti en solo aujourd'hui. Voilà, hein. Franchement, voilà, en plus c'est sympa, il y a d'autres bateaux sur l'eau. Les câbles. C'est vraiment beau. Là, on a un vent de 6 nœuds. Pour le moment, c'est léger. Mais bon, c'est censé monter. C'est censé monter, mais de toute façon, ce qui compte, c'est que... Ah, on a assez de vent pour avancer. Et même gratter ce bateau-là, le petit bateau-là. Voilà. Ce qui ne me déplaît pas. Je suis content. Voilà. Ah ouais, ça commence bien. 13 nœuds de vent. C'est top. On avance. Je suis vigilant là, sur la profondeur parce qu'on arrive au niveau du banc de Saint-Georges. On passe juste à la pointe. Le banc de Saint-Georges, c'est le bleu. Et voilà, on passe au niveau du banc parce qu'il y a juste de profondeur. Et on voit, voilà, on est à 11 mètres. On voit qu'il y a eu des grandes marées récemment parce que là, je vais vous montrer. Comme ça, mais ça c'est juste la partie émergée. Là, n'empêche que quand on se reprend avec la vitesse de la voilà. Deux secondes, on était à 5 nœuds, quoi. Voilà. Bah, ça ferait du bobo, quoi. C'est pas cool. Puis on peut se prendre une grosse bille de bois, etc. Parce que ce qui se passe, c'est que l'hiver, les plages sont pas nettoyées. À l'abri de la caméra. L'hiver, les plages ne sont pas nettoyées et dès qu'il y a une grande marée, que ce soit les plages ou les berges, hein, bah ça embarque tous les débris d'arbres. Débris d'arbres de ce qui a été secoué par les derniers coups de vent qu'il y a eu là. Puis on voit bien qu'il y a des plus gros troncs d'arbres quand même, donc il y a aussi des billes de bois et tout. Donc, ouais. Donc à chaque fois qu'on suit une grande marée, là c'est plus le cas, on est dans un coef de 70, mais on a eu un gros coef dans les jours qui venaient là, qui précédaient. Et du coup, voilà, faut rester vigilant, quoi. Allez, bon, 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 on est plutôt sur du 17-18 nœuds maintenant. Alors ça forcit clairement, on voit là c'est plein de moutons partout. Voilà. On monte clairement à 20 nœuds de vent, donc j'ai réduit encore un petit peu le génois pour être bien, et finalement eh ben, on fait un meilleur cap. Je note que ça vaut vraiment le coup d'anticiper le fait de rouler du génois
parce que là j'ai vraiment gagné en cap de manière impressionnante. Allez. Bon week-end à tous!